Vous écoutez Radio IC maintenant sur 95.2 FM et RNT Radio Numérique Terrestre canal 9A et également sur internet dans le monde entier icietmaintenant.com. Chaque dernier samedi du mois dès 23h, David Abbassi, écrivain et historien, est avec vous. Vous pouvez vous exprimer et poser vos questions en composant le 08 92 23 95 20. 08 92 23 95 20. Bonsoir à toutes, bonsoir à tous. Comment allez-vous? J'espère que vous allez bien. Voilà, nous sommes le samedi soir. Samedi quoi? Samedi 26 du mois de novembre. Il ne reste qu'un mois pour terminer l'année 2016. Alors j'ai le plaisir ce soir de recevoir notre ami un syndicaliste. Quelqu'un qui depuis des années, il se bat pour défendre les travailleurs dans un cadre républicain et bien sûr laïque. Rémi Offray, bonsoir, comment allez-vous? Ça va, vous allez bien? Le microphone, vous pouvez l'approcher un peu? Oui? Oui. D'accord, je crois que juste au départ de notre émission, nous avons un petit problème de microphone qu'on va le régler tout de suite. Oui, bonsoir Rémi, comment ça va? Très bien. Tout va bien? Alors tu peux commencer à parler en attendant qu'on est en train de régler notre microphone, voilà. Très bien, tout va très bien, pas tout à fait, depuis que nous sommes venus sur ici et maintenant, il y a environ deux ans et demi, l'actualité nationale européenne et internationale a été particulièrement bousculée. C'est vrai, c'est vrai, c'est vrai. Attends, on va régler le microphone. Si tu peux, tu peux continuer à parler un peu, s'il te plaît. J'espère qu'on aura quelques auditeurs et auditrices qui nous contacteront en cette début de nuit, en ce début de nuit sur ici et maintenant, 95.2 sur la bande FM sur Paris, pour qu'on puisse échanger justement sur ces sujets politiques et sociaux très grave que l'on connaît aujourd'hui avec des motifs de crainte, de colère, mais aussi d'espoir. Et c'est bien ton émission, David, qui permet de parler sans tabou de certains sujets qui préoccupent tous les citoyens. Merci Rémi. Alors Rémi, puisque tu es syndicaliste, on va parler des syndicats, des problèmes de pauvreté en France, bien sûr, les problèmes que les travailleurs rencontrent. Et jour après jour, ça aggrave, malheureusement. Alors, mais si tu veux bien, j'aimerais bien qu'au départ, tu nous donnes un peu plus d'informations concernant les syndicats en France, puisque tu sais, une majorité de travailleurs qui doivent être syndicalisés
ils ne sont pas s'inscrits, n'est-ce pas? C'est un des problèmes déjà, n'est-ce pas? Et deuxièmement, ils ne connaissent pas bien leurs droits, les travailleurs. Et de l'autre côté, il y a énormément de problèmes que toi, pendant ta vie, tu as rencontré en défendant les travailleurs. Déjà, combien de pourcents des travailleurs sont syndicalisés? Alors, on estime en France à peu près qu'il y a 8% sur le nombre de salariés global de syndiqués en France. Alors, la France a plusieurs confédérations syndicales qui regroupent différentes fédérations professionnelles au sein de chaque confédération. Et c'est vrai qu'en France, nous avons un syndicalisme que je qualifierais, moi, d'engagement, puisque quand parfois certains critiquent du syndicalisme français s'emploient à dire qu'il y a une grande faiblesse dans la syndicalisation en France, ils oublient d'indiquer que dans certains pays, non seulement le syndicat est unique, mais aussi qu'il est strictement indispensable de disposer d'une carte syndicale pour bénéficier des informations liées à l'assurance chômage et à des droits essentiels qui en France sont assurés à la fois par les conventions collectives et par le Code du travail notamment. Donc en France, le fait que ce syndicalisme soit un syndicalisme d'adhésion et d'engagement, eh bien, ne favorise pas toujours la pleine adhésion de l'ensemble des salariés, contrairement en Belgique où 80% des salariés sont syndiqués. Et évidemment, dans les pays nordiques, Finlande, Norvège, Suède et Danemark. En Allemagne, il y a à peu près 35 à 40% de salariés syndiqués et en France 8%. Mais il y a eu deux époques en France, dans notre pays, où il y a eu un très grand nombre de salariés syndiqués. Ce n'est pas étonnant. C'est en 1936 et en 1968, où là, il y a eu un enthousiasme massif pour l'engagement syndical. Mais pour le reste, nous avons toujours évolué globalement entre 8 et 15, 15-16% dans les meilleures années. Combien de syndicats nous avons en tout? Alors nous avons au moins 5 confédérations syndicales. Ta question est paradoxalement relativement difficile puisqu'il y a des syndicats catégoriels, il y a des syndicats confédérés. Les grandes confédérations sont la CGT, la CFDT, la CFTC, la CFE-CGC et puis il y a des syndicats type Solidaire ainsi que l'UNSA notamment donc qui regroupe certaines catégories de salariés. Donc on peut dire qu'il y a 6 grandes organisations en France. Mais évidemment, tous les syndicats ne sont pas représentés dans toutes les grandes entreprises. L'implantation est très diverse, à vrai dire. 6 syndicats en tout. Alors, puisque surtout on est au départ de l'émission, Rémi, on va donner un petit peu de leçon aux gens qui nous écoutent. 6 syndicats, confédérations, et tendance, c'est quoi exactement? Combien, tendance gauche, droite et... Alors, c'est à l'image du syndicalisme d'engagement dont je parlais il y a un instant. Les syndicats ont une certaine empreinte idéologique, forcément, parce que la naissance des syndicats en 1895, à partir de la création de la CGT et avant avec les bourses du travail, eh bien, ont évidemment été influencés par le mouvement progressiste ouvrier, classé clairement à gauche. Puis il y a eu la création du syndicalisme chrétien en 1919, suite d'ailleurs à une encyclique papale Vatican Rerum Novarum. Et donc on peut dire qu'il y a 2-3 grandes tendances idéologiques au niveau des syndicats français, avec une tendance plutôt communisante où on peut retrouver bien sûr la CGT d'aujourd'hui, mais qui ne l'était pas avant 1948, une tendance social-démocrate plus ou moins chrétienne comme l'est la CFDT, et une tendance plus ou moins anarcho-syndicaliste avec Solidaire et Sud, et une tendance qui n'est pas particulièrement idéologique, qui est le syndicalisme spécialisé dans l'encadrement, et le syndicalisme qui est né de certaines scissions, comme par exemple l'UNSA.
Donc voilà, il y a plusieurs tendances dans le monde syndical. Chaque salarié peut s'y retrouver. En général, depuis quelques décennies, les grandes organisations syndicales, bien sûr, se proclament à peu près toutes indépendantes d'un parti politique. Mais il est vrai que dans les faits, parfois, certains syndicalistes continuent de temps à autre à être un petit peu courroie de transmission du parti politique. Mais on peut dire globalement que le monde syndical français est suffisamment pluriel pour attirer chaque salarié de notre pays. Bien entendu, il est souvent plus difficile de se syndiquer dans les petites et moyennes entreprises parce que, tout simplement, le petit patronat et le moyen patronat voient d'un très mauvais œil le fait d'être syndiqué. Il y a encore une image très négative de la part des patrons et c'est vrai qu'ils considèrent, malheureusement d'ailleurs, que le syndicalisme est un outil de ralentissement dans la croissance de l'entreprise, dans le développement de l'entreprise, ce qui me semble particulièrement erroné, en particulier en ce qui me concerne et en ce qui concerne les syndicats que je connais et les syndicalistes que je connais, qui pour la plupart veulent que leur entreprise fonctionne. Oui. Alors, URSSAF, c'est géré par les syndicats, n'est-ce pas ? C'est-à-dire charge sociale que chaque mois les entreprises ils payent, c'est versé dans cette caisse, et cette caisse-là qui s'en occupe. Et il y a une faillite dans cette caisse depuis toujours, Rémi. Cette faillite dans cette caisse de sécurité sociale, on va dire, à ton avis, ça vient d'où exactement ? C'est-à-dire énormément bulletins de salaire chaque mois, et de l'autre côté, il y avait beaucoup de polémiques à ce sujet, tu le sais très très bien. D'où est-ce que vient cette faillite ? Déjà, avant d'arriver aux travailleurs, on va voir leur syndicat, leur caisse, etc. Alors pour moi, il y a deux raisons des difficultés. Je n'irai pas dire jusqu'à faillite des caisses de sécurité sociale et notamment retraite et assurance maladie. Aujourd'hui, le système n'est plus vraiment géré paritairement parce que ce n'est pas les syndicats qui gèrent la sécurité sociale. C'est normalement une gestion paritaire. Mais cette gestion paritaire, concrètement, elle a quasiment disparu aujourd'hui. Et ça fait plusieurs décennies, je dis bien plusieurs décennies, qu'on assiste à une manipulation éhontée des pouvoirs publics par rapport aux caisses de sécurité sociale. Il faut savoir que tous les gouvernements, ou presque, qu'ils soient de droite comme de gauche, lorsqu'ils décident, par des mesures législatives prises par leur majorité parlementaire à l'Assemblée nationale, d'envisager des exonérations de cotisations patronales et ou salariales, ils ne prennent pas en charge les déficits qu'ils creusent eux-mêmes. Donc en clair, c'est l'argent des salariés des entreprises qui financent la protection sociale en France et la retraite, mais c'est les majorités législatives, les gouvernements, qui décident trop souvent d'exonérer les entreprises, mais sans compenser à l'euro près ces déficits. Donc ces déficits nouvellement créés. Donc il y a un véritable scandale d'État. Nous sommes nombreux à être outrés cette situation, puisque ça met en difficulté évidemment les budgets de la sécurité sociale, les budgets des caisses de retraite. Et puis il y a une deuxième raison qui met en danger, bien sûr, notamment les caisses de retraite, c'est la situation de l'emploi. Avec un taux de chômage officiel BIT de 10%, il est clair que la situation de chômage ne permet pas d'alimenter suffisamment les caisses de retraite. Alors, on a le régime général et on a des régimes spéciaux, un régime spécial comme la SNCF, celui des cheminots que je connais bien. Il se trouve que, paradoxalement, pour le régime cheminot, ce régime voit sa santé financière s'améliorer dans les années 2023-2024, tout simplement parce que les cheminots retraités vont connaître une démographie funeste, c'est-à-dire une mort, des prévisions donc de diminution de la charge des retraités cheminots. Ce qui fait que si on restait sur un seuil de cheminots actifs d'environ 140-150 000, eh bien, le régime s'améliorerait arithmétiquement en 2023-2024. Ce qui est l'inverse pour le régime général, c'est-à-dire pour les salariés qui ne dépendent pas d'un régime particulier, et c'est bien sûr la grande masse des salariés, eh bien là, la situation est différente.
parce que il y a de moins en moins d'actifs et il y a de plus en plus de chômage. Et il est clair que si on réduit le chômage, arithmétiquement, bien sûr, on va améliorer la situation des caisses de retraite notamment. Et donc, ce qui est important, c'est d'améliorer ces caisses de retraite. Maintenant, il y a un deuxième aspect aussi dans les caisses de sécurité sociale qui me semble être aussi un scandale. C'est bien sûr la gestion de l'achat, des remboursements de médicaments et aussi des frais d'honoraires. Mmh. En France, on a un système un petit peu particulier où on forme des médecins, mais où on a décidé de laisser la liberté d'installation totale aux médecins. Ce qui fait que sur la Côte d'Azur, quand vous voulez consulter un ophtalmologue, un rhumatologue, vous avez un délai de 8 à 10 jours, tandis que quand vous voulez le faire à Bordeaux, quand vous voulez le faire dans la Creuse, quand vous voulez le faire dans les Ardennes, eh bien, pour avoir un ophtalmologue, il faut attendre 9 mois, 10 mois, 12 mois de délai pour voir le médecin donc, qui vous soigne les yeux. Ça, et pour les généralistes, c'est pareil. Pourquoi c'est une manque de médecins ? Parce que ce n'est pas un manque de médecins, c'est une mauvaise répartition géographique des médecins. Mmh. Et ce qui semble quand même un peu gros, puisque ce sont les Français, pas que les salariés, mais tous les contribuables qui participent au financement des facs de médecine, des études de médecine. Et c'est vrai qu'être étudiant en médecine, c'est quelque chose de difficile. Devenir médecin, c'est une tâche très difficile. Mais par contre, moi, je suis de ceux peut-être d'obliger, une certaine forme d'obligation. Je sais que c'est très choquant quand on parle d'obligation, parce que ça entame le principe de la liberté d'installation. Mais je pense qu'on devrait demander à ces jeunes médecins d'intervenir dans des centres médicaux, dans les zones où il y a plus de médecins, où il y a des déserts médicaux. Parce qu'il y a quand même aujourd'hui des Français, pas que des salariés, des Français qui souffrent justement de ne pas avoir accès aux services médicaux de base et accès aussi à des spécialistes. Donc je pense qu'il faut planifier. Mais ça, c'est un débat qui a lieu aussi depuis des décennies et que personne ne veut trancher. C'est comme le remboursement de certains médicaments, l'industrie pharmaceutique est aussi derrière. Donc il faut bien penser que le déficit de l'assurance maladie n'est pas que le produit du chômage, n'est pas que le produit des exonérations de cotisations patronales et salariales. C'est aussi l'organisation de la médecine en France qui est un souci et qui pose débat. Vous écoutez votre radio ici maintenant sur 95.2 FM. Également, vous pouvez nous regarder dans le monde entier comme vous regardez à la télé en tapant ici-maintenant.com, ici-maintenant.com. Et comme Morgan vous a dit, nous sommes également sur Radio Terrestre, numérique, canal 1. Alors, ce soir, j'ai le plaisir d'avoir comme invité mon ami Rémi Offray, syndicaliste, qui peut répondre à beaucoup de questions assez importantes, parce que c'est vrai, dans la vie, Rémi, tu sais toujours, on a besoin de psychiatres, d'avocats, surtout les travailleurs ne savent pas qu'en même temps qu'on a besoin d'avocats dans la vie comptable, on a besoin d'un bon syndicaliste pour pouvoir bien conseiller les travailleurs. Enfin, ça ne limite pas ton travail, enfin le travail de syndicat seulement pour les travailleurs, c'est pour les fonctionnaires aussi, on peut dire, n'est-ce pas? Pour les tous les gens qui ont un bulletin de salaire, qui travaillent, qui ont un bulletin de salaire, sans aucun doute ils rencontrent des problèmes, surtout actuellement, Rémi. J'ai entendu beaucoup des entreprises et de sociétés, ils vont virer en masse, qui sont en train de le faire depuis des années, leurs employés, mais de temps en temps, il y a, voilà, je suis désolé de le dire, il y a des complots. C'est-à-dire qu'ils créent une ambiance nerveuse, gênante, dans le travail, même de temps en temps par les autres collègues du travail, que l'individu lui-même, il quitte le travail, toi, qui démissionne. Et moi-même, j'ai rencontré énormément de témoignages des gens qui étaient comme ça. Ça, c'est à part de tous les licenciements qu'on est en train de constater depuis des années, surtout depuis que le monde est entré dans une phase nouvelle, on peut dire, et c'est une phase numérique, et maintenant network, etc. Et jour après jour, nous n'avons plus besoin
masse travailleurs comme avant. Toutes les choses deviennent automatiques. Et même pour la plupart des choses, on peut les faire à partir de chez soi. Alors, dans ce domaine, tous ces domaines-là que je viens de citer, Rémi, qu'est-ce que tu as pu faire pour les travailleurs et qu'est-ce que tu proposes, puisque c'est quelque chose que ça va continuer de toute façon? Alors, je crois que nous sommes en train de vivre une véritable révolution dans le domaine de la structure même du travail. Le syndicalisme classique, le syndicalisme que je vis notamment aujourd'hui, il est basé sur le salariat. Mais tu viens de le dire, et tu n'as pas cité une situation qu'on connaît de plus en plus, ce sont les travailleurs qui ne sont ni dans le salariat, ni vraiment patrons d'eux-mêmes, mais en situation de prestation de service un peu étonnante, parce qu'ils dépendent quand même d'une certaine... puissance, d'une certaine autorité, sans disposer d'un contrat de travail basé sur un salaire, sur une feuille de paye. J'en veux par exemple sur la situation des travailleurs, parce que ce sont des travailleurs bien sûr, qui bossent pour Uber, avec leur voiture dans Paris et dans les grandes villes de France. Mmh. On pense que Uber c'est une situation agréable, parce qu'évidemment des gens ont trouvé un emploi, sauf que les travailleurs d'Uber... ils sont tenus à des horaires, ils sont tenus à une structure d'emploi par l'intermédiaire d'un organisateur du travail qui s'appelle la société Uber, sans être salariés, mais ils doivent être en quelque sorte à disposition permanente de la société Uber sans toucher de bulletin de salaire. Ça veut dire quoi ça? Ça veut dire qu'on est dans une véritable révolution au niveau de la structure même du travail. Aujourd'hui, un travail... ce n'est pas forcément un travail salarié. Alors évidemment, je ne parle pas des employeurs qui sont propriétaires de leurs usines, je ne parle pas des gestionnaires, je ne parle pas des artisans. Je parle bien là des travailleurs qui auraient pu être salariés, qui ne le sont plus aujourd'hui, qui ont trouvé un emploi à travers des prestations de services type Uber. Mais cette liberté, à travers Uber, elle se révèle un petit peu fausse finalement. Parce que je ne crois pas que tout est automatisé. La problématique, c'est qu'en France, comme en Europe, comme dans le monde occidental en règle générale, et le monde occidental, je le vois bien des États-Unis jusqu'au Japon, en passant par la Thaïlande et l'Australie, c'est-à-dire la plus large partie du monde, nous avons besoin d'emplois au niveau d'aide à la personne. Et ça, ni Internet, ni Facebook, ni Twitter ne pourra remplacer l'aide à la personne, l'aide humaine. Quand vous avez une personne dépendante, une personne en retraité dépendante, et un jour nous pouvons tous le devenir dépendante et nous serons tous âgés, en tout cas c'est ce que je nous souhaite, de préférence en bonne santé, mais on aura certainement besoin d'aide, d'aide humaine. Ce n'est pas Twitter, ce n'est pas Internet. Et donc il faut accepter aujourd'hui qu'on s'engage sur une voie de transformation de l'emploi vers l'aide à la personne, vers les services, et bien entendu... l'emploi industriel tend, lui, à réduire. On a tendance à avoir besoin de moins d'emplois industriels. Par contre, ça, c'est une réalité. Donc, changement dans la structure de l'emploi, et c'est à nous de nous former différemment pour répondre à de nouveaux besoins. Parce qu'il y a des vrais besoins avec le vieillissement de la population. Par contre, moi, ce qui me choque, notamment, là, on vient d'apprendre, la société Airbus, nous sommes tous fiers d'Airbus, vient d'annoncer des centaines de suppression d'emplois, alors que les carnets de commandes sont pleins. Et donc la société Airbus, comme d'autres grandes entreprises, ont décidé d'externaliser des tâches, notamment administratives, qui appartenaient directement pourtant à la société, pour les externaliser. Et là, c'est le danger justement du côté virtuel dans d'autres pays, bien au-delà de l'Allemagne, bien au-delà des frontières de l'Union européenne. Et là, ce qui est un peu choquant, c'est qu'à partir du moment où une société se porte très bien, que ses carnets de commandes marchent bien, il ne nous semble pas, pour les syndicalistes, mais certainement pour les Français normalement constitués, de supprimer des emplois, sachant que derrière les emplois, il y a des femmes et des hommes qui travaillent, et au contraire, s'engager peut-être à les reformer, en tout cas les aider à trouver une autre place dans l'entreprise, mais en tout cas l'annonce massive de suppression d'emplois, pour un tel groupe, me paraît à proprement parler scandaleux, d'autant plus que ça ressemble un peu, même si beaucoup
de gens excessifs parlent de ça, je pense que ça ressemble aussi un peu à du licenciement boursier, c'est-à-dire en vue de revaloriser quelque part l'action d'Airbus. Et c'est profondément choquant dans la situation actuelle du groupe Airbus. Donc les gens sont prêts, les salariés ne sont pas immobiles. Ils sont prêts, lorsque leur emploi est en jeu, lorsque leur entreprise a des problèmes, ils sont prêts à changer. Mais pour cela, il faut les accompagner et il faut surtout leur expliquer. La stratégie du changement dans une entreprise, c'est aussi la pédagogie de l'explication. On n'a pas le droit de demander, de dire à un salarié que son poste est supprimé sans lui offrir les possibilités d'être acteur de son changement, sans lui offrir les possibilités de nouvelles formations, d'un nouveau déroulement de carrière. Et je crois que c'est pour ça qu'il y a aussi des syndicalistes qui protestent, qui voient certaines décisions arriver, qui protestent parfois violemment, mais avec raison, parce que, effectivement, après, c'est quand même la misère, le chômage, c'est quand même la misère. Fort heureusement, en France, on a encore quelques aides, un pacte social suffisamment correct, mais tu sais, aux États-Unis, il y a beaucoup de travailleurs pauvres et il ne faudrait pas qu'en Europe, et notamment en Allemagne comme en France, on soit dans la situation des working poor américains où des gens travaillent 45, 50, 55 heures, mais n'ont pas de quoi bouffer. Parce que la réalité, c'est que quand tu es payé 2,5 $ de l'heure aux États-Unis et puis que tu dois payer ton loyer, ben, tu vis dans une caravane. Et il y a des centaines de milliers de travailleurs américains qui vivent comme ça. Mais effectivement, on peut dire que le chômage aux États-Unis est de 4,5%. Mais que signifie un taux de chômage à 4,5% si vous avez des salariés, si on a des salariés qui n'arrivent pas à manger et à payer leur loyer avec le peu de salaire qu'ils ont? Donc il faut aussi savoir relativiser, il faut aussi savoir comprendre la situation des pays. On a trop souvent l'habitude d'être très plaintif, très catastrophique, catastrophiste en France, mais lorsque on ouvre les frontières, lorsqu'on ouvre les fenêtres, eh bien, on s'aperçoit que la situation doit être pondérée. Elle est certainement pas formidable, elle est très difficile, mais on doit mettre en parallèle ce qui se passe aussi ailleurs, et on doit réfléchir nous-mêmes sur ce que nous devons faire pour atteindre un niveau d'emploi maximum, parce qu'aujourd'hui, on a besoin d'emploi. En vérité, le chômage est une incongruité, c'est une bêtise dans la mesure où il y a des besoins d'emploi. Par contre, il faut savoir comment on les finance. C'est pour cela que dans l'actualité, un autre choc qui m'a été donné de connaître il y a quelques jours, je trouve d'une stupidité politique, mais surtout économique, incroyable, le fait que deux candidats à l'élection présidentielle proposent de faire travailler les salariés 39 heures, payés 35. Donc il y a quand même un candidat à la présidentielle qui a osé dire ça. On a 3 millions de chômeurs en France, et ceux qui ont un emploi vont avoir plus de travail. Comment voulez-vous que ceux qui n'ont pas de travail trouvent un emploi dans ces conditions? Et en plus, ceux qui aujourd'hui travaillent 35 heures, qui d'ailleurs en vérité travaillent toujours un peu plus, il faut quand même le savoir, y compris dans une entreprise publique comme la SNCF, ceux qui travaillent 35 heures, demain on va leur demander de travailler 39 heures sans gagner plus. Alors l'ancien président Sarkozy avait l'habitude de nous dire « travaillez plus pour gagner plus ». Aujourd'hui on est en train de nous dire « travaillez plus et gagnez moins ». Ici, est-ce que Rémi, nous sommes avec Rémi Offray, syndicaliste, ce soir sur 95 FM, radio ici maintenant, mes chers amis. Beaucoup de questions, et lui, il est là, il va nous répondre sans aucun problème. On va avancer avec Rémi. Alors Rémi, ici, un problème qui s'impose depuis des années, c'est la liberté de choix, de choisir. Un travailleur, si pendant des années il est sans emploi, sans travail, alors si lui-même, il est d'accord de travailler 4-5 heures de plus pour être embauché, est-ce que c'est un problème? Deuxièmement, Rémi, tu peux faire une enquête. David, il n'a pas fait enquête, mais j'entends, je vois, depuis toujours, dans toutes les sociétés, sans exception, il fait travailler leurs employés
plus de ce qu'ils en payent, ces gens-là. C'est-à-dire, si c'est 35 heures, dans la plupart des sociétés, bon, plupart, pas tous, mais plupart des sociétés, ils font travailler 2 heures, 3 heures, 1 heure, ou 30 minutes, ou 5 heures de plus leurs employés par jour, sans être rémunérés à la fin du mois. Ça, tout le monde le sait. C'est-à-dire, il y a deux méthodes. Une méthode de la force, une méthode de volonté. Méthode de la volonté, ce qu'on dit, voilà, accepter un peu moins, puisqu'actuellement, il y a beaucoup de concurrence qui vient de pays l'Europe de l'Est. Ici, ils travaillent moins cher. Alors, de l'autre côté, l'individu, s'il est en chômage pendant, depuis longtemps, alors, toucher un peu moins, 4-5 heures par semaine, ça serait mieux de travailler 4-5 heures plus par jour. Moi, je te dis une chose, Rémi. La plupart des fois, j'étais témoin moi-même, qui est même le responsable des rayons, responsable des sociétés, à droite, à gauche. Et il était 18h, 19h en train de travailler. Et quand je pose la question, ton travail c'est fini à 17h, à 16h, il est 18h, 19h, 20h, tu es payé? Il dit non, je ne suis pas payé, je travaille moi-même parce que je suis en train de régler mes dossiers, je ne sais pas, patati patata. La même chose qui existe chez les fonctionnaires. Alors, c'est une question, bien sûr, c'est une question. Alors si, et de l'autre côté, l'individu lui-même, il est d'accord. Officiellement, au lieu d'être forcé de rester dans son bureau ou dans son atelier ou dans son usine de travail 4-5 heures de plus, lui-même, il accepte, ok, 39 au lieu de 35, etc. Est-ce que c'est grave, à ton avis, pour améliorer l'ambiance du travail? Le problème, c'est que moi, je pense qu'on devrait tous travailler. Mais il ne faut pas réserver le travail à ceux qui en ont déjà un. C'est-à-dire que les heures supplémentaires... Ah voilà, ça c'est très intéressant. On ne peut pas... il faut partager le travail. Il faut partager aussi le travail. Mais voilà. Il faut partager aussi la richesse du travail. Bravo. Oui. Et là, on est dans un débat très intéressant. Non, c'est très intéressant, oui. Les heures supplémentaires en France, elles ont toujours, comme ailleurs, elles ont toujours existé. Y compris dans les entreprises publiques. Sans être payées. Sans être payées. Voilà. Mais il faut dire que... Ce que personne n'en parle. Bien sûr. Dans tous les débats qu'on voit à la télé, à la radio, avec les patati... Au patata, jamais on ne pose pas cette question-là, jamais on n'évoque pas ça. Ce qui est choquant dans la proposition de François Fillon, puisque c'est de lui qu'il s'agit, même si Alain Juppé est juste derrière, c'est qu'il dit bien qu'il veut passer le temps, il veut supprimer la référence aux 35 heures, et dans l'absolu, on pourra travailler jusqu'à 48 heures par semaine. Mais il faut savoir que dans certaines entreprises publiques, et moi j'en connais quelques-unes, quand vous êtes aux 35 heures, vous avez certaines responsabilités, vous travaillez plus de 35 heures en vérité, et y compris certainement non payé. Donc si officiellement on supprime la référence aux 35 heures, non seulement on aura une difficulté d'être payé en heures supplémentaires quand on peut l'être, parce que certaines entreprises privées, heureusement, et la plupart respectent la loi, en tout cas je l'espère, au-delà du seuil légal d'heures de travail, on paye en heures supplémentaires, donc à minima au moins plus 10%, et ça, ça nous semble logique. Parce que on peut à ce moment-là travailler jusqu'à 48 heures par semaine. C'est la limite selon l'Organisation internationale du travail. Mais si on travaille 48 heures par semaine, y compris dans des métiers industriels, est-ce que vous ne pensez pas qu'on ne va pas encore avoir un peu plus de chômage? Et la richesse qui mais sera il y a certains travaux, Rémi, que d'autres personnes ne peuvent pas le faire. Bien sûr. Par exemple, si tu es directeur de ton, je ne sais pas quoi, dans tel syndicat, oui. C'est toi qui dois rester jusqu'à 20h, 21h. Mais il n'y a pas que des directeurs. Oui, et il y a des gens qu'on doit former. Aux fonctionnaires. Par exemple, tu as plein de dossiers pour demain. Toi-même, tu décides de régler tout ça puisque tu aimes ton travail. Mais il y a peut-être des hauts fonctionnaires qui ne devraient plus l'être. Parce que vu les décisions qu'ils prennent dans certains cas, il ferait mieux de ne plus travailler, ceux-là. Mais c'est facile à dire, mais en réalité... En réalité, prenons le cas du Japon, parce qu'on parle de la France. En France, on affiche 35 heures. Dans la vraie vie, nous, avec nos 35, 37, 39 heures, on est plus productif qu'au Japon. Parce qu'au Japon, il faut que vous soyez là à 8 heures du matin, y compris dans l'administration. Et le soir, vous partez après votre chef, où vous allez boire un coup...
avec votre chef. Donc vous avez une amplitude de travail où vous commencez à 8h et vous finissez à 21h ou 22h. Mais ce qui est reconnu, c'est pour ça que la France est l'un des premiers pays qui attire les investissements directs étrangers, les IDE. Dans l'Union européenne, notre pays est le premier ou le second à attirer les investisseurs étrangers. Donc quand on nous explique que la loi sur les 35 heures est une loi qui désespère les investisseurs, notamment étrangers, c'est de la foutaise. Mensonge. Comme je le pense. Parce que la réalité de l'investissement étranger en France, il est considérable parce que les salariés français, quand ils font 35 ou 40 heures, ils font 35 ou 40 heures productives. Tandis que d'autres pays allongent plus de durée de travail, mais sans dégager autant de productivité horaire qu'une bonne partie des salariés français. Ça, c'est une réalité aussi. Maintenant, ce qui est choquant, c'est pas qu'un salarié fasse des heures supplémentaires, ça ne me choque pas. C'est la liberté, tu l'as dit. Bien sûr, quelqu'un veut faire des heures supplémentaires. Si le patron lui dit « Oui, je te paye 10% de plus, tu fais des heures supplémentaires, j'ai besoin de toi », on ne va pas l'interdire, c'est sa liberté. Mais moi, je n'interdis pas ça. Par contre, ce qui est choquant, c'est lorsqu'un grand groupe qui connaît des difficultés, lorsqu'un grand patron, et là, je crois que c'est arrivé très récemment, lorsqu'une assemblée générale d'actionnaires refuse une augmentation de 20, 30, 40% des revenus d'un grand patron d'un grand groupe, et bien que le conseil d'administration passe outre l'assemblée générale des actionnaires et décide quand même de donner un parachute doré à ce grand patron. Ça, c'est une honte. Parce qu'il n'y a pas c'est de lien quel entre eux. C'est quel groupe? Alors, je l'ai sur le bout de la langue. C'est pas grave, toutes les grands groupes, c'est comme ça. Mais hein. Non, ce qui est scandaleux, c'est malheureusement, que... Malheureusement, c'est-à-dire les pauvres n'arrivent pas à obtenir ce qu'il fait, le salaire de ce qu'il fait. Mais si son groupe fonctionne mal... Mais de l'autre mal, côté, les patrons, si les gros patrons en haut, ils touchent les sommes... Ce qui est scandaleux, c'est que le grand patron, il est responsable aussi des résultats. Si les résultats ne sont pas à la hauteur, c'est ce que je dis, si les résultats ne sont pas à la hauteur, c'est-à-dire si les résultats sont en baisse, pourquoi on augmente de 20, 30, 40% les émoluments et le parachute doré du patron en question? Parce qu'en gros, l'entreprise, elle plonge, le patron, il part avec un parachute doré. Là, il y a un manque d'éthique, c'est catastrophique, un manque de pudeur. Parce que comment on va demander à un ouvrier dans son usine, à un technicien qui travaille, comment on va lui dire... Cette année, tu auras 0,5% d'augmentation quand le patron qu'il a eu pendant 3, 4, 5, 6 ans, il part avec un parachute doré de X millions d'euros. Comment on justifie ça? Donc il y a un problème de pudeur, il y a un problème d'éthique aussi dans notre capitalisme qui doit être transformé. On doit transformer cette économie de marché. Il ne s'agit pas de revenir vers les modèles qui ont complètement échoué, les modèles soviétiques et autres qui ont été une catastrophe, pas seulement qu'au niveau des libertés, mais une incomparable bêtise économique. Mais il faut quand même tenter de moderniser l'économie de marché pour faire en sorte que les efforts des travailleurs soient, à juste titre, récompensés, en tout cas reconnus. Et donc, quand une entreprise va mal, et ben on ne fait pas de parachute doré. Et ça, c'est assez scandaleux. Tout comme la réforme fiscale, malheureusement, en France, n'a pas été menée. Il y a une troisième chose qui devrait être encouragée, c'est l'investissement dans les entreprises. Et là, on ne sait pas ce qui va se passer dans les prochaines années. Mais il est clair que l'employeur, le patron d'une moyenne entreprise qui met son argent personnel dans son entreprise pour l'investissement, pour moderniser son entreprise, eh bien, ce dirigeant, cette dirigeante, a le droit de défiscaliser. Moi, ça me semble normal qu'on l'aide et que le fisc ait une petite mesure pour lui, pour défiscaliser, parce qu'il va investir son argent, il va prendre son risque, il va investir dans son entreprise. Mais c'est pas le cas actuel. Mais c'est pas... On les aide pas assez, certainement. Mais aux États-Unis, en Angleterre, en Allemagne, ça fait ça. Ça dépend. Ouais. Ce qui est scandaleux en France, c'est que les petites PME qui travaillent sur le territoire français, font travailler des salariés qui vivent en France, des salariés qui soient français, étrangers, peu importe, ils payent des cotisations en France, ces PME qui fournissent du travail, qui font l'activité économique française, eh ben, ces entreprises sont relativement peu aidées, et ils payent 33% d'impôts sur les sociétés, tandis que les grands groupes, vous allez voir Total, grande multinationale soi-disant française du pétrole,
eh bien, au CAC 40, eh bien, ils payent 8%. Ils payent, on paye 8% dans une entreprise, dans une multinationale comme celle-ci, alors qu'une PME, une moyenne entreprise qui travaille en France, elle va payer 33% d'impôts sur les sociétés. Eh bien, ça, c'est une honte. Et ça, c'est effectivement l'internationalisme de la finance qui permet ça. C'est, malheureusement, comme tu viens de dire, si tu es plus riche, tu as moins de problèmes, moins de frais. Et si tu es plus pauvre, alors tu dois rester pauvre. Surtout, précarité, pauvreté, Rémi, qui jour après jour est en train d'augmenter en France, malheureusement. On n'en pense pas seulement... on est content quand on voit le restaurant de cœur, le restaurant Cloche, notre ami Cloche, ça s'ouvre chaque année en ce moment-là. On peut constater, on peut voir que dans ce pays qui est tellement riche, qui est tellement gaspillé, qu'il soit nourriture, qu'il soit l'argent, alors de l'autre côté, malheureusement, alors les syndicats qui leur responsabilité, c'est de défendre les pauvres, les travailleurs. Alors, il n'y a pas de think tank là-bas pour réfléchir, pour donner des projets, pour donner des programmes, pour aller au tribunal. C'est parce que de temps en temps, avec bonjour, comment allez-vous, tu ne peux pas avancer tes idées. Non, bien sûr. Même de temps en temps, avec des manifestations, tu ne peux pas avancer tes idées. Puisque tu viens de citer un des deux candidats de demain qu'on va voter pour eux, puisque je ne veux pas que mon émission devienne un pour quelqu'un contre quelqu'un d'autre. Puis, surtout que moi, je connais tous ces gens-là, de droite et de gauche, des guignols, comme il dit mon ami. Et je les connais toutes et tous. Surtout, je veux te dire, déjà, je n'ai pas admiré comme un citoyen hein, ce qu'il a fait depuis mardi matin contre son ami, les propos vraiment qui n'étaient pas corrects. C'est moi qui ai dit non correct après les autres aussi. Ils ont dit non correct. Vraiment, ce n'était pas correct de Juppé de faire ça. Moi, je le connais depuis 30 ans, Juppé. Il était maire de... mon bureau était à Paris 18e dans les années 80, je le connais depuis des années. Alors, ça, c'était vraiment. Ce n'était pas dans la qualité d'un homme d'État de descendre tellement bas et dire n'importe quoi contre un adversaire qui est son copain, qui était lui-même, il était son ministre. De l'autre côté, ce monsieur-là, on le sait très, très bien que dans les années 90, quand il était au pouvoir, deux ans de Premier ministre Jacques Chirac, tellement de manifestations ici que Chirac était obligé de faire ce qu'il a fait. Et c'était l'armée qui est sortie dans la rue pour déplacer les gens. Moi-même, à l'époque, j'habitais en banlieue parisienne, je voyais comment ça posait des problèmes. C'est-à-dire, même de temps en temps, c'est ça que je voulais te dire. Tu ne peux pas obtenir, puisque tu es syndicaliste, Rémi Offray, notre invité de ce soir, Rémi Offray, syndicaliste. Alors, de temps en temps, ni avec « Bonjour, comment allez-vous », ni avec « Manifestation », tu ne peux pas obtenir ce que tu veux. Alors, tu es obligé d'aller porter plainte, d'un côté, d'aller voir les députés pour passer les lois. Ces deux choses-là qui sont très importantes. Regarde comment on fait descendre les candidats, les hommes d'État, les gens qui étaient au pouvoir, par les procès. Alors, tous ces procès-là, on peut le faire. Jamais on n'a pas fait des procès contre les grands capitalistes, des grands groupes, comme tu viens de dire, Parachute Doré, ou je ne sais pas quoi, histoire de Panama Papers, quand on l'oublie dans deux semaines, c'est plusieurs milliards de dollars l'argent des peuples français qui va partir en l'air. De l'autre côté, Mélenchon, il a fait une demande, une pétition, je ne sais pas si tu es au courant ou non, qu'il rembourse Société Générale 2 milliards de dollars l'aide qu'il a touchée il y a déjà deux ans. Comme quoi il a dit qu'il perdait de l'argent, mais après cette année, on a compris qu'il y a l'histoire de Panama Papers, qui est ces 2 milliards de dollars qui demandent l'argent, et de Tian et de d'autres personnes. Il a touché, ce n'était pas juste, il a demandé le remboursement. Et Percy est en train de voir ce dossier-là, c'est-à-dire cette pétition de Jean-Luc Mélenchon était quelque chose dans cette marche que je viens de parler avec toi, c'est-à-dire aller voir la loi par la justice, par les députés, par les lois républicaines, au lieu. Si on voit que par manifestation, on n'arrive pas, parce que c'est vrai, de temps en temps, on n'arrive pas par les manifestations. Regarde, Nuit debout, c'est terminé, sans aucun résultat. À l'époque de Juppé, pendant des mois, les gens, toutes les grèves n'ont rien donné, un changement d'assemblée. Alors, de temps en temps, il faut faire comme celui qu'il a fait, Jean-Luc Mélenchon, 2 milliards de dollars. Il a dit, en plus, Société Générale, qu'il est tellement, tellement, tellement fort que Panama Papers, président de la République, il dit que nous avons, la France a perdu plus de 1 milliard de dollars
à cause de ça, mais étouffé. Et de l'autre côté, lui, il fait un procès, une pétition seulement, simple pétition, de l'autre côté, au Sénat. Il y avait une dizaine de sénateurs contre ce projet. Sous testament, il a menti, le patron de Société Générale, etc. Tout ça, ça passe. Alors, vous, les syndicats, que vous représentez les travailleurs, en force ouvrière, vous êtes force, enfin, ce n'est pas le mouvement force ouvrière, tous, vous êtes très très fort. Alors, de temps en temps, il faut avoir des think tanks dans ces syndicats, ces confédérations, Rémi, pour pouvoir aller à la rencontre de ces gens-là avec une autre méthode. Alors non, on participe de toute manière, on a des organisations qui réfléchissent avec nous, on réfléchit dans des organisations pour proposer certaines prospectives. Je crois que ce quinquennat qui se termine, d'abord dans quelques mois, peut-être dans quelques années, on rendra justice à certaines mesures qui ont été prises, mais on est encore très coléreux parce qu'il y a certaines choses qui n'ont pas été faites. Je le disais tout à l'heure, premier point, c'est la réforme fiscale. Si la réforme fiscale, c'est la retenue à la source, ça aurait été vraiment minime. Mais la deuxième chose qui n'a pas été faite, et quand tu parles de la situation des banques, c'est notamment la loi qui aurait dû passer sur la séparation dans les activités bancaires entre la banque de dépôt de particuliers et la banque d'investissement. Parce que finalement, effectivement, c'est quand même les contribuables français qui ont participé au sauvetage de certaines banques françaises, dont la Société Générale, et c'est un véritable scandale. Mais il y a eu aussi le scandale du Crédit Lyonnais. Et alors qu'aux États-Unis, avec Obama, il a un petit peu assaini justement cette distinction entre banque de particuliers et banque d'investissement et de spéculation, eh bien en France, on n'a pas fait cette réforme bancaire. On n'a pas fait cette réforme bancaire parce qu'une partie des hauts fonctionnaires de Bercy sont directement influencés justement par les grandes banques et n'avaient aucun intérêt de voir passer ce type de disposition législative. Alors oui, quand on voit que les Islandais, tu dis que les manifestations, ça ne marche pas. Oui. Regardons la situation de l'Islande. Certes, c'est un tout petit pays qui a moins de devoirs par rapport à la communauté internationale. Mais les Islandais, ils sont révoltés. Ils ont obtenu des démissions d'hommes politiques. Et puis, ils ont surtout obtenu que certaines banques islandaises, elles fassent complètement faillite. Parce que certaines banques islandaises avaient arnaqué les citoyens islandais. Eh bien, c'est ce qui a failli se produire en France. Mais malheureusement, ce débat sur la réforme bancaire, comme la réforme fiscale, qui a été pourtant annoncé. Parce que lorsque le président de la République disait « mon ennemi, c'est la finance », il avait parfaitement raison de le dire. Il ne parlait pas du banquier qui prête de l'argent pour acheter sa maison. Il parlait surtout du banquier spéculatif, de celui justement de certaines salles de marché qui font des montages extrêmement complexes. On ne sait plus ce qu'il y a comme argent pourri dans certains placements financiers aujourd'hui. C'est tellement compliqué. Même ceux qui vendent ces placements ne savent plus ce qu'ils vendent. Et donc, lorsque dans ces placements, dans ces fonds de placement, il y a des choses qui ne marchent plus, eh bien, on va à la catastrophe. Ils jonglent avec des milliards, des dizaines de milliards, et ils en perdent complètement le contrôle. Et c'est une catastrophe. Alors après, quand on dit aux syndicalistes, mais qu'est-ce que vous comptez faire, vous ? Eh bien, nous, on propose réforme bancaire, réforme fiscale. Mais le syndicalisme n'a pas vocation à se substituer à la classe politique ou aux élus politiques qui, eux, devraient prendre des initiatives. Nous, bien sûr, on donne des idées. Mais nous ne sommes pas des députés. Nous sommes des syndicalistes. Nous sommes là pour défendre à la fois les travailleurs qui ont emploi et aussi les travailleurs qui sont au chômage. Défendre les gens qui dépendent des entreprises et défendre aussi les travailleurs qui maintenant travaillent pour Uber. Nous avons une vraie réflexion, une vraie volonté de... Il faut défendre ces gens-là. Et il faut défendre aussi les gens qui travaillent sous la forme Uber, sous l'ubérisation, parce que c'est des gens qui doivent être bien sûr... C'est-à-dire qu'il ne faut pas l'empêcher de travailler. Il ne faut pas l'empêcher de travailler, il faut leur donner des droits. Voilà. Ils doivent avoir des droits. Ils travaillent, ils doivent avoir des droits, tout simplement. Et le droit ne se résume pas seulement à toucher de l'argent, à avoir une rémunération, même si ce n'est pas un salaire. Ils doivent avoir un droit. Moi, ça peut me faire peur. Si demain, on apprend qu'un travailleur d'Uber peut se permettre de conduire
plus de 12 heures par jour, ça me gêne. Ils font ça actuellement. Mais la pénibilité du travail, tu connais. Imagine, on l'a interdit pour le conducteur routier. La fatigue au volant, est-ce qu'on sait ce que c'est, la fatigue au volant? On dit tous les deux heures, il faut se reposer. Eh bien oui, ça c'est une réalité. Donc effectivement, quand on râle sur le rythme de travail, les conditions de travail, là on a un vrai débat. C'est pour ça aussi que plusieurs organisations syndicales, dont la CFDT, se sont battues pour la reconnaissance de la pénibilité. C'est-à-dire pour que tu puisses prendre ta retraite un petit peu plus tôt, si pendant des années, voire des dizaines d'années, tu as travaillé avec des contraintes horaires, tu as travaillé en horaire décalé, tu as travaillé la nuit, tu as travaillé dans des emplois où il fallait soulever des charges lourdes. Là, et c'est dommage qu'en France, le patronat, justement, les gros patrons, le MEDEF notamment, s'est opposé directement à cette application des règles de pénibilité. Ces règles de pénibilité qu'on doit appliquer, elles s'appliquent individuellement à chaque salarié. Bien sûr, on n'a jamais travaillé de la même façon. Nous ne sommes pas tous identiques. Nous sommes tous égaux, mais tous différents. Et donc, si on a eu un travail pénible, eh bien, si M. Dupont a eu un travail pénible, oui, il mérite de prendre sa retraite un petit peu avant quelqu'un qui a eu un travail moins pénible. À quel âge ? À quel âge ? Moi, écoute, je suis rentré dans le monde du travail à l'âge de 16 ans. Oui. Alors, il est évident que je refuse de travailler jusqu'à 65. Parce que tu calcules, ça va me faire une carrière de 49 ans. Est-ce que tu trouves logique que moi, parce que j'ai travaillé à 16 ans, je vais faire 49 ans de carrière ? Non, il faut tenir compte aussi de la durée d'activité, de la durée de carrière. C'est évident que la problématique d'équilibre du régime de retraite est posée. Mais peut-être qu'il faut aussi tenter de répartir un peu plus le travail, parce que ce qui est désespérant aussi, c'est de voir que ceux qui ont un travail, le risque existe, nous le disions tout à l'heure, ceux qui ont un travail, ils risquent de travailler plus, et ceux qui n'en ont pas, ils risquent pas du tout d'en trouver. Donc il y a une vraie problématique, même si bien sûr, nous sommes tous différents également. Le travail que je fais, il peut être fait peut-être par quelqu'un d'autre à un moment donné, peut-être pas. Je ne suis pas capable d'être technicien électrique, je ne suis pas capable d'être boulanger. Et effectivement, pour qu'on remplace un boulanger, eh bien, il faut un boulanger. Donc, il faut qu'on fasse un formidable effort en termes de reconversion, formation professionnelle. Il faut qu'on consacre. Le temps de chômage demain doit être essentiellement consacré à la formation professionnelle. On doit vraiment utiliser la période où on est au chômage pour être une période d'activité. Non pas d'activité salariée puisqu'on est au chômage, mais une période très, très positive, très constructive, comme le font d'ailleurs les pays nordiques, en Suède, en Finlande, au Danemark, en Norvège. Cette période de chômage, elle est très active. Et évidemment, les Danois, les Suédois, ils modèrent, c'est-à-dire ils encouragent le retour au travail, mais c'est plus facile chez eux parce que pendant ta période de chômage, tu es tout le temps en formation, tu es tout le temps sur le qui-vive parce que tu apprends un métier ou tu te reconvertis. Et ça, cette période, elle est beaucoup plus productive qu'en France. On a toujours cette problématique en France de rendre, je dirais, cette période négative doit être positivée par des formations, par de la reconversion, par de l'aide aux chômeurs et non pas considérée comme une période d'oisiveté. Et puis, il faut arrêter de dire que les chômeurs, ils l'ont bien choisi, hein. Parce que moi, je ne connais pas de gens qui sont au chômage, qui ont choisi d'être au chômage. Vous écoutez votre radio ici, maintenant sur 95.2 FM. J'ai le plaisir de recevoir ce soir M. Rémy Offray, syndicaliste, et surtout quelqu'un qui connaît beaucoup de choses, qui a beaucoup travaillé en faveur des travailleurs, qui pourrait répondre à beaucoup de questions. Je le remercie d'accepter mon invitation et de venir ce soir ici, de loin, parce qu'on l'attendait déjà longtemps, mais ce soir, j'ai le plaisir de l'avoir ici dans le studio. Mes chers amis, restez avec nous, vous écoutez votre radio. Vous écoutez Radio Ici et Maintenant sur 95.2 FM et RNT Radio Numérique Terrestre Canal 9A et également sur Internet dans le monde entier icietmaintenant.com. Chaque dernier samedi du mois, dès 23h, David Abassi, écrivain et historien, est avec vous. Vous pouvez vous exprimer et poser vos questions en composant le
08 92 23 95 20. 08 92 23 95 20.